Yo tout le monde, c'est Kyrios, on est reparti pour la suite de notre aventure sur Dawn of Man. Alors, on devait... Ouais, c'est ça. Faut qu'on se dépêche d'avoir 15 points de... 15 points de... mince, comment ça s'appelle ? De connaissance. Pour voir qu'on passe au néolithique, c'est vrai. J'avais en plus commencé un petit peu à déboiser à droite à gauche, là, pour pouvoir me construire mes fermes. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Je pense que j'ai commencé aussi à déboiser encore à droite à gauche. Il y a des endroits qui ne servent pas plus à rien là. Chaîne. Un peu. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Tac tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, au niveau de la nourriture, on est bon. Au niveau des ressources, on est bon aussi. Et au niveau de, on va dire, de l'armement, on a 17 lances. On va en construire d'autres. On a 25 couteaux. On a 17 outils de pêche. On a 7 arcs. Ça veut dire que... Là, j'en ai 17, 25. Oui, je pense que tout le monde doit avoir des... Ouais, il y en a certains, ils ont des arcs. Lui, il a un couteau à os et il a un harpon en os, donc c'est le pêcheur plutôt. Voilà, un arc. Bah ça c'est un garçon, donc il n'a pas, bah non plus aussi. Il a un harpon, des lances. Tac tac, ouais, harpon en os, il y en a 17. Et là j'ai 12, donc je vais en créer quelques-uns quand même. En silex, comment on est? C'était où? C'était là. En silex, il me fallait un de bois et une pierre de silex. Et en os, j'avais 24 os, ouais. On va prendre de l'os quand même. On va en faire 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Comme ça, on est tranquille. On va en faire 10 en plus. Parce qu'il y en a, ils ont des harpons en os. Donc, c'est pas vraiment utile à part pour les pêcher. Mais franchement, voilà quoi. Donc, on était là et il faut qu'on... On améliore nos points de connaissance. Ok, bon, bah on va s'amuser. Alors. Chasser ça. Je vais commencer à chasser un peu partout des trucs pour essayer de gagner quelques points de compétence. De compétences de connaissances, je veux dire. Parce que là, on en a 6 et il me faut 15 points. Donc, oh, c'est toute une famille. En plus avec les chiens, ça a été rapide. En plus, bah voilà, ça me fait de la nourriture en plus, des os en plus. Et des... comment ça s'appelle? De la peau en plus. C'est bien. On fait des ressources en plus. Allez hop, faut qu'on se dépêche d'avoir 15... Ah, pas de vêtements chauds. Tenue de peau. Normalement, si. Ça aurait dû. Hop. Bon, on est passé à 7, c'est bien. 8, c'est encore mieux. Bon, nous, faut qu'on se dépêche d'avoir 15. Alors. Comme ça, c'est pas grave.
Attaque de loup. Bon, bah ça c'était fait. D'accord. Je crois savoir. Faut que je diversifie un peu. Non. Hop. Faut que je diversifie un peu le truc. Un peu les tenues. Il faut que je supprime. Faut que je mette ça. Tenue en peau, j'en ai 25. Il faut des tenues en cuir. Léger pour. Ah, le marchand. Ah, attends, il y a le marchand. Le marchand, qu'est-ce qu'il propose? Ah, c'était du cuir, comment? Ah, du cuir normal. Voilà. Ouais, 28 quand même. Cher. Alors, des animaux, le sanglier qui est là, chassez-moi ça, il me faut des peaux. Roque femelle, non. Hop. J'ai rien d'autre là. Je suis à 8. Il me manque encore. Un peu moins de la moitié. Normalement, j'avais un truc là. C'est où? C'est là. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je comprends pas là. Pas de vêtements chauds.
Pourtant, j'ai 25 tenues en peau. Donc ça devrait être bon. Il y a un truc que je comprends pas là. Oh, il y a un truc qui va pas là. Tenue en peau, 25. J'ai pas trop compris pourquoi ça ne marche pas. Ah, peut-être qu'il m'en faut plus. Ah, c'est-à-dire que j'avais peut-être que 25 sur 35 qu'il y en avait. Alors non, ça devrait être bon. Ouais, bah, il porte Hermès, c'était sûr. Je voulais mariner, ok. Oui, ben ouais, j'ai 35 sur 35. C'est ça. En fait, les tenues en peau, c'est sur. D'accord, j'ai compris. Bon, j'ai 9 points de connaissance, ça devrait être bon. Il m'en manque encore 7, je crois. 6 plutôt. Là, je peux rien construire d'autre. La paille, bah, j'ai que ça. Là, on est bon. Ok, ça y est, on a nos 15 points de connaissance. Du coup, on peut passer au néolithique. On est parti. Comme ça, on peut avoir des fermes. Et voilà, donc voilà, c'est 7 points de connaissance encore. Du coup, ça, c'est pour avoir de l'ogre, des engrais et de l'amidon. Et après, domestication du lin. Voilà. On aura de la chaume qui permet d'améliorer. Pour les huttes, les écuries, ok. On a domestication de chèvres, tissage, fabrication de pilotis, mégalithique, extraction minière. D'accord. Bon, maintenant on est parti. L'agriculture. Bah, on est parti. Alors. Construire. Résidence, on n'a pas. Stockage, non. Production, non plus. Là, en spiritualité, on n'a rien. En funéraire, on n'a rien. Et en transport, on n'a rien. Ok. Planter. L'amidon. L'engrais et de l'orge. Ok, donc en fait il nous faut les terrains. J'avais dit que je voulais faire à peu près ici. Donc on va planter engrais, orge, amidon. Alors de l'orge déjà. Faire un truc 3 sur 3. L'amidon. Non. Hop. L'amidon, comment c'est? 3 sur 3 aussi.
L'orge, l'amidon. Donc c'est pour des céréales. Et l'amidon, je sais pas du tout c'est pourquoi. On avait dit ça c'est l'orge, ça c'est l'amidon et... Il ne reste plus que celui-là, l'engrain, on va essayer de le mettre là. Non. Ouais, il faut que je détruise ça. Sur 3. Ok, donc ça serait partir de là. Voilà. Ah, y en a un qui est mort de vieillesse. Ah, les vêtements. 39 sur 42. Voilà. Hop. Parce que j'aime bien savoir pourquoi ça ne... Attaque de pierre. D'accord. Je pense qu'il va falloir que je fasse une défense et tout ce qu'il faut. Ah bah voilà. Bon. D'accord. Du coup, bah là, je viens de perdre... Alors, hop, 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 hop. On va faire comment? On va faire comme... comme là. Mince, je vais remettre, construire un autre. Hop. Tac. Voilà. Ah ça y est, il est chiant. Ah mais la nourriture va arriver. Eh ben on est 7. Alors, si on a des pierres, moi je voulais commencer par quelque chose, mais en fait non. Moi je pense que on va commencer à... Plateforme de bois, tour de guet, mur, fabrication d'épée, palissade, porte... Plateforme de bois, tour de guet, ouais. On va commencer directement par ça. Débloquer ça, parce que là, il y a les pierres qui viennent, qui m'attaquent. Je pense qu'on va pas, s'attarder sur les trucs. Mais on va les faire tout de suite. Donc, on reste toujours au niveau 1. On va construire les défenses. Donc là, il faut 1, il faut 2. Ok. Ok. Donc la palissade. Alors attends, on va mettre sur pause. On va mettre sur pause. Ouais, du coup on va te faire ça. Je fais combien? 39 sur 42. Hop, comme ça on est bon. Et on va construire tout de suite notre premier défense. Alors. On a dit que c'était une palissade. J'en ai 16. Alors c'est bien, c'est que j'aime bien savoir comment ça prend.
Déjà, rien que là, ça devrait aller normalement. Là, je peux pas. Normalement, si je fais comme ça, je devrais être bon. Je sais pas combien ça me prendra, mais... On va chasser un petit peu. S'il y a des animaux. Parce que là, j'ai du mal à en trouver. Ah, il y en a là. Hop. Et puis j'en ai là aussi. Allez, hop, allez. Là, on avait dit qu'on voulait aussi construire un truc là. Vas-y, danse, non. T'en vas mettre en 1. Je teste une. Ok. Défense. Plateforme en bois. Moins pour qu'il puisse. Ah, on peut pas. D'accord. Ah, j'aurais pensé qu'on pouvait. Ah, c'est la plateforme en bois. Donc on peut pas créer de petits ponts. Dommage. J'aurais bien aimé. Donc en fait, on a les pierres qui venaient par là. Donc on va fermer le côté là. Je mettrai une porte. Je mettrai une tour de guet. Là, ils en sont où? Eh ben, ils ont fini. Alors, pourquoi j'ai ça? Est-ce que si je construis une porte? Ça va le faire comme ça. Ah. Ça ne va pas. En fait, il faut que je construise la porte bien avant. D'accord. Attends, on va refaire ça. Voilà. Je préfère me refaire comme il faut. Du coup, on reconstruit défense. La porte, en fait, faut faire la porte en même temps que... Ça, la porte, elle va être ici. Ils en sont, ils arrivent. Ils vont enlever ça. Et on va construire la porte. La porte, elle devrait être là. On va attendre. Hop. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Non, je pense qu'on va faire comme ça. J'espère que j'ai fait du bon côté, hein. Ah, c'est chiant ça. Ce qui est chiant, c'est que je vois pas exactement. Bon, on laisse comme ça. Et après on revient comme ça avec les
Avec les murs. Là. Et on refait la même ici. Ah non. Défense. Mur. Voilà. Bon, normalement, on devrait être bon là. On a une porte, on a les murs. Hop, on les voit tous là. Les autres, ils arrivent, ils construisent les derniers remparts. Ils vont construire les derniers remparts là-haut. Et logiquement, on est bon. Ok. Bon, on va s'occuper un peu de ça là. Déjà, il manque du pot, voilà. Les animaux, on en a juste là. Allez, allez, chassez-moi ça. Vous allez être tranquille. Là, poisson. Du poisson. Du poisson. Et du... Hop là. Du poisson. Comme ça, on est tranquille. On va construire. Voilà. Défense. Et de la tour. Il me faut 4 comme ça, 8 comme ça, et ça. Et il me faudra 2 comme ça. Allez, hop, pause. Alors du coup, ça y est, on a construit notre première palissade avec une porte. Du coup, j'ai découvert qu'en fait, il faut la porte, on peut pas la construire. Ah, j'ai même pas testé si on pouvait l'ouvrir ou la fermer. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais. On va la laisser ouvrir. Donc en fait, il faut faire les murs, la porte, les murs. Là, on est en train de construire une tour de guet. Je pense que je vais en construire sûrement une deuxième ici. Là, j'ai problème de nourriture, donc il va falloir que je m'organise. Donc à la chasse et tout. On a nos premiers champs. Un champ d'engrais, d'orge et de l'amidonier. Là, je suis en train de construire 3 autres traîneaux. On est 44 sur 51. Pause. Du coup, ouais, il faut que je règle le problème de nourriture. Bon, bah, ça c'est pas rien. Pas important, hein. J'ai balancé pas mal de chasse et de pêche, comme ça on va être réglé. Parce qu'on commence à arriver avec pas mal d'habitants. On peut voir là, ma paille, j'en ai beaucoup. Je me demande si je vais pas en construire un autre. Là on est bon au niveau des stocks de stockage. pour ma tour, en fait, il faudrait que je crée du cuir. Donc... j'ai de la peau brute, bon il me reste plus beaucoup, mais il me faut que je fasse je récolte du tanin là. Donc j'en ai deux ici, j'en ai un ici, donc j'en vais mettre deux là, et normalement j'en ai autre zone de travail, voilà, je vais en mettre deux là aussi. Je récupère vite fait du tanin pour pouvoir faire mon cuir, comme ça je peux construire ma tour de guet. Et ah bah je viens de voir qu'on était passé 9 en connaissance. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Grenier, écurie, tisseur, bois, nécessaire pour puits, énergie hydroélectrique et hydraulique. Plutôt faire ça. Domestication des légumes secs. Comme ça,
On peut avoir des pois chiches, des lentilles, des pois. D'autres, là, on aura des meilleures ressources de nourriture. Ce sera beaucoup mieux. Alors en fait, c'est tout ce qui est. Je suis en train de me dire orge, engrais, midonier. Je me demande si c'est pas pour ça. Domestication de la chèvre. Ou légumes secs. Ah, il vaut mieux avoir des légumes secs et après on fera le prochain, on fera domestication des animaux là. Pour avoir les chèvres, les moutons et les cochons. Mais ouais, j'avais pas fait gaffe, on est passé à 9 points de connaissance. Je vais faire ça tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir construire d'autres champs. Là, il va falloir que je regarde un truc, comment ça marche, parce que là. Parce que j'ai les gars qui vont se promener, mais j'espère que l'autre il. Ah si, il va arriver par là, ils peuvent passer par ici et attaquer par là, donc il va me falloir que je fasse un. Ici, que je ferme tout là. Toute la partie là aussi, il va falloir que je ferme. Et là. Là, je sais pas. Mais là, il va falloir que je ferme aussi une partie ici. Et que je laisse une porte. Là, je vais mettre d'autres champs. Il va falloir que je construise un petit peu là. Puis il va falloir que je m'étale là aussi. Comme je suis parti, ouais. Parce que vu que l'attaque des pillards et tout. Ouais, j'aurai pas mal de choses à faire dans le prochain épisode, hein. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.